regardez-moi ça. Encore un Shoryu Saget qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chope aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikiku Ultra. Je lâche mon casque, je me bats. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je lâche mon casque, je me barre. Aujourd'hui, un épisode, on va dire, scindé en deux épisodes, puisque je vais vous proposer deux matchs Starting Over Cross Shadaloo Shodown, les qualifications de Shinjuku pour le Shadaloo Shodown, qui aura lieu du 11 au 13 octobre prochain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Shadaloo Shodown, je rappelle que c'est un des majors de l'année, probablement le major qui ouvre l'année et qui ouvre la saison de jeux de combat dans le monde, avec suivi de très près ou précédé souvent de la Canada Cup, les deux gros tournois qui animent généralement la fin d'année et le début de saison. En l'occurrence, l'Australie n'étant pas spécialement trop loin du Japon, même s'il faut traverser des hémisphères, eh bien, Shadow Logic, les organisateurs du Shadaloo Shodown, ont mis en place des épreuves de qualification Japon pour pouvoir inviter des joueurs qui l'auraient mérité au cours d'un tournoi. Ainsi, deux tournois ont eu lieu. Le premier tournoi, c'était le Starting Over, avec un tournoi dont je vous en ai déjà proposé une partie dans le meurt passant en pif de la semaine dernière. Souvenez-vous-en, en fait, durant ce Starting Over, vous aviez le droit à un tournoi solo dont l'enjeu n'était juste que de gagner l'édition du Starting Over. Mais il faut savoir qu'il y a eu 4 tournois en 4 jours et que ces tournois, que un de ces 4 tournois fut le tournoi de qualification justement pour ce Shadaloo Shodown. Je vais donc vous proposer quelques matchs du top 8 de ces qualifications. Les matchs sont assez longs, puisque tout est en FT3, voilà qui explique que je ferai deux épisodes là-dessus, avec un premier match que je vais vous proposer, qui va opposer le Sagat de Gachikun, Sagat numéro 1 du Japon, souvent décrié, souvent accusé, mais réellement, réellement à tort, c'est pas du tout un Sagat au pif. Il va être opposé à Yonashi, la meilleure jury du Japon, dont vous avez pu voir un petit florilège de ses talents lors du dernier Meurt pas sans ton pif. Il va être opposé au Sagat de Gachikun dans un match-up qui n'est pas forcément si évident que ça pour jury. Mais, et c'est pourquoi peut-être, je pointe un peu et j'insiste sur le personnage de jury en ce moment, c'est que ça fera partie, un peu comme Yang, peut-être des personnages qui bénéficieront grandement de la mise à jour Ultra Street Fighter 4 en mars prochain. Voilà pourquoi, à mon avis, les joueurs qui n'ont jamais lâché le perso vont être grandement avantagés par rapport à ça. Comme je l'ai dit, c'est un FT3 entre ces deux joueurs-là. C'est un match de quart de finale. Je vous proposerai un autre match de demi-finale dans un deuxième épisode de Meurs pas sans de Je lâche mon casque, je me barre, pardon, cette semaine, un peu plus tard cette semaine, qui opposera, lui, Reiketsu, la griffe, face à Nishkin Blanca. Match de demi-finale. Et je vous spoilerai les résultats de la finale de ce tournoi dans la foulée, en vous proposant peut-être le match de la finale qui est, on va dire, assez intéressant. Mais les matchs les plus intéressants sont réellement ces deux-là, dans un match-up où, on le voit, pour le moment, jury n'a pas d'autre choix que de faire l'otari si elle veut résister à l'assaut et la puissance de Sagat. Vous voyez, sur les sauts verticaux pour éviter les Tiger Shots, alors que Gachikun varie parfaitement ses vitesses entre rapide et lent, il réussit à passer un tout petit peu au-dessous, à éviter et à utiliser les dive kicks pour délayer un tout petit peu sa chute. Mais vous avez vu, les Fuajin font double tout sur les Tiger Shots, et comme la barre de vie Jury est moins importante que celle de Sagat, il n'est systématiquement pas favorable par rapport à ça. Il va donc devoir absolument trouver des setups où il peut placer
passer l'Ultra 2, mais voilà, ces setups là généralement, et eh bien il va falloir des barres 3 essentiellement pour pouvoir se donner les moyens d'attaquer. Voilà, dive kick, hein, une sorterre dive kick juste au-dessus d'une dagger short, et là on peut mettre la pression. Encore une fois, une sorterre dive kick, il a pris un petit point, heureusement qu'il n'y avait pas de dragon cancel. Il a dû canceler son CM push en utilisant deux barres là-dessus, avec chop, des chop, chop, et le setup absolument invisible. Donc Yonashi a le secret derrière la chop avant. Dans le coin, vous avez pu voir ce que ça donne. Chop avant dans le coin, il me semble, il fait Sempusha dans le vent. Un petit coup encore dans le vent, et puis saut, medium kick, cross-up, pas cross-up. On sait jamais sur les gros adversaires. Il a voulu aller le chercher avec overhead encore une fois. Yonashi qui est quand même assez culotté dans sa manière de jouer, mais qui est probablement l'un des joueurs de jury qui applique le mieux les match-ups. Voilà pourquoi c'est très intéressant à mon avis pour tous les joueurs de jury de regarder ce genre de match-là. Gachikun lui est en plein dans son match-up, mais lui il n'y a pas grand chose de plus à faire. Et le bon confirme du bas petit point par un Tiger Shot cancel. Et encore une fois il vient chercher. Oh là, il a pris cher. Le nombre de mythi qu'il a ramassé. Mythi sur mythi sur mythi. La mythique. Et Yonashi qui a évidemment joué un personnage qui n'a pas vraiment de river soul et qui a certains coups invincibles à relever mais qui sont pas assez rapides pour être crédibles en tant que river soul, et à part son contre qui est un véritable river soul mais qui est complètement anticipable, et bien le contre EX pardon, et bien il n'y a que le EX Sempusha qui est entièrement unsafe en garde et qui est évidemment carotté par son adversaire à relever. Jamais faire ce genre de choses là, le backdash est pas non plus une véritable solution. Après il fait tic trop sur Tiger Knee, attention parce que là Yonashi est en bonne position. Vous voyez, il va vous faire même petit pied stand gros pied, seulement Yonashi en position baissée avec la hitbox un peu particulière de jury, et bien a complètement évité le premier hit du stand gros pied lorsqu'il était en position baissée, a donc pu punir. C'est dommage que le combo n'ait pas été à la hauteur. Là-dessus, il y avait un whiff punish avec encore une standard dive kick. Vous avez vu, une hauteur et à une distance à laquelle il touche, tel qu'il est safe. Oh, magnifique! Relâché de focus. Focus delayed. Et Kimochi, il en a les yeux révulsés. Il a les yeux revolver. Il a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Et l'a tué, c'est foutu. 1-0 pour Yonashi, qui montre quand même que ce match-up est possible. Il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de sang-froid. Et ce qui est très important, et c'est ce que j'ai dit évidemment lors du premier match, c'est de regarder attentivement la gestion de la super. 80% de ratio de victoire à Yonashi, 75% de ratio de victoire Gachikun. C'est pas pour rien qu'il était eh bien classé top du classement BP il n'y a pas encore si longtemps que ça, en farmant comme un goré les salles d'arcade, pendant que les joueurs professionnels eh ben, on va dire oscillaient entre l'arcade et la console. C'est là tout le le moment, c'est le moment pardon, excusez-moi, où il a un tout petit peu fait sa réputation et qu'on pensait que cette dernière était un tout petit peu usurpée tant que fausse agate, puisqu'on avait encore des RF, des Isho dans la tête, des Santao et des Bonchan évidemment. Et on se disait que on peut pas de toute façon avoir plus de BP que Bonchan et être meilleur que lui. Il s'avère que si on prend l'intégralité des matchs joués par ces joueurs en tournoi, il est évident, ou en tout cas il apparaît, que Bonchan fait de meilleurs résultats que Gachikun. Et c'est pas pour rien que Bonchan squatte le haut de la Topanga League quasiment tout le temps. Mais sur un match gagnant et peut-être avec les règles de l'arcane, Gachikun fait partie probablement des meilleurs joueurs. Voilà peut-être ce qui peut le perdre dans ce match en FT3, la capacité d'adaptation de son adversaire et peut-être sa faculté à pas tenir le rythme face à un adversaire identique comme ça. Après on sait qu'ils ont beaucoup d'entraînement, de toute façon ces joueurs, c'est peut-être un point de détail, mais c'est peut-être ce qui peut faire la différence et ce qui peut permettre à Yonashi, à la poire justement, de se jouer de son adversaire. Voilà, la barre est chargée au niveau de 3, son vertical bien puni. Vous avez vu, un petit dash avant et Sten gros pied pour
punir la récupération du saut vertical. Et maintenant il cherche les doubles touches, parce que sur les doubles touches à ce moment là alors qu'il est en avance à l'énergie, il va gagner. Il sait absolument que Sagat joue évidemment Ultra 1, puisque Tiger Cannon d'un fois Jin faut être c'est impossible, absolument impossible. Bon, il a un peu raté ce qu'il voulait faire probablement. Il a utilisé 3 bas hein, sur ce ex Sempusha cancel Yonashi, mais il va le mener à mon avis jusqu'au bout du chrono en restant ferme. Par contre, faut pas prendre ces Tiger Shot là. Il est en train de resserrer la distance ici. Gachikun est en train de faire exactement ce qu'il faut faire en resserrant. Et là, Yonashi craque un tout petit peu en essayant de sortir du coin. Mais il a pris 2 dégâts de ratage, 3 dégâts de ratage. Il est en dessous maintenant à 10 secondes de la fin. Et maintenant, Gachikun, eh bien, il écarte le jeu. Voilà. Et il attire évidemment Yonashi dans ses filets. Un partout. Très bon plan de jeu de Gachikun qui, lorsqu'il était en difficulté et que le chrono allait s'effacer, a joué à son avantage la distance et ses barres de Hex. Et grâce à ses barres de Hex, eh bien, il a pu jouer un jeu de Tiger Shot qui a empêché totalement Yonashi de poser son jeu de Fuajin, permettant de revenir uniquement ou quasiment uniquement au dégâts de grattage. Yonashi a fait une petite erreur en tombant quand même sur un Tiger Shot. C'est le genre d'erreur qu'il faut. C'est le genre d'erreur qui pardonne pas de toute façon à ce niveau-là. Mais une fois qu'il a réussi à reprendre l'avantage, il a repris la distance parce qu'il savait que à ce moment-là, c'était Jury qui devait réduire la distance, et quand Jury essaie de réduire la distance, c'est elle qui est en désavantage, alors que Sagat, lui, peut se permettre de jouer manifestement un peu plus près. Pouah, il y a overhead, décalage, chop encore. Il a réussi de le choper, mais il était un tout petit peu loin, Yonashi. Une très bonne balayette hein, derrière Fuajin, de Hell Instant, overhead qui est gardé, mais il n'y a pas de cancel, ce qui a étonné finalement Gachikun, qui n'a absolument pas puni le saut moyen point qu'il a pris en garde, hein. Et qui aurait dû eh bien, se faire entièrement sécher. Magnifique avancée à la descente du pied, mais qui a pu garder. Oh, par contre, là, il y a un troll school. Il y a un troll school. Un troll school au milieu des cancels. Et Yonashi l'a payé très très cher. Encore une fois, tentative de focus. Non! Non! Pourquoi est-ce qu'il a relâché EX of Wajin? Qu'est-ce qu'il voulait faire exactement? Est-ce qu'il voulait faire EX of Wajin Ultra? C'est Ultra qu'il fallait passer en intégralité. Oh, il a complètement raté. La plus grosse occasion qu'il a eu dans ce round. Grosse erreur, mais toujours le bas moyen point qu'il a pour couvrir. Ils ont eu follow-up dash avant lorsque le Fuajin offre trop de recul pour pouvoir être linké par la balayette afin de réduire la distance et d'être à une distance où Jury eh bien, peut manœuvrer. Le problème, c'est qu'elle peut pas manœuvrer au sol. Et voilà, Mitsi, vous avez vu Mitsi, décalage de LK. Et c'est un enfer hein, pour Jury, parce qu'elle a absolument rien du tout pour contrer ces foutus pieds qui font chier les non-possesseurs de Riversoul depuis le 1. Moi, je me souviens à l'époque de The Street Fighter 4. Pouah, 3 overheads de suite. C'est ce qu'on appelle respect. Voilà comment on fait. Allez, il est très bien tiré hein, dans ce round. Les 3 overheads de suite, ils sont peut-être pour quelque chose. Mais il y a eu du culot. Mais le culot, eh bien, il a pu se l'offrir grâce à une mise au coin et une bonne tenue. Où je disais, lorsqu'on jouait des griffes, lorsqu'on jouait tous ces sales persos qui n'ont pas de reversal là dans Street Fighter 4, et que les Sagats qui étaient infinis à l'époque, vous pourrissez avec des bas petits pieds sur la relevée, et que ta seule réponse était rien en fait. C'était tu prends ou tu prends. C'était tellement agaçant. Et bien il reste encore des persos voilà, qui n'ont pas de possibilité de pif réel à la relève. Et bon, c'est, on va dire qu'ils ont d'autres arguments, mais bon, ça fait toujours du bien un petit pif à la relever hein, quand même. Hein. Et de posséder ce genre de choses-là, c'est toujours quelque chose d'efficace. Et bon, qu'est-ce que ça coûte, même si c'est... Parce qu'il y en a qui possèdent le pif safe hein, et sans barre de hex, c'est tranquille, tu vois, comme Sagat. Et il y a des persos qui possèdent, même si, voilà, même avec une barre de hex, aucun pif, c'est quand même assez sale, et encore une fois. Balakik, on délai, balakik, on ouvre la garde. Et derrière, c'est le drame. Le dramatique, hein, de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est dramatique. Ce qui est capable de faire Sagat sur Jury, sur une mise au sol. Voilà pourquoi il faut absolument éviter la mise au sol. Et Yonashi qui rate peut-être une grosse occasion de remporter ce match de quart de finale. Le ratio de victoire de toute façon ne baissera pas pour autant. Mais tout de même, ce sont des matchs extrêmement importants.
faut savoir manœuvrer. Voilà, les Tiger Shots devraient être interdits lorsque l'on sait manœuvrer. Overhead, overhead un deuxième. Voilà, elle a quand même pas remis un troisième, la varie avec l'eau ce coup-ci. Mais c'est quand même très belle chop placée ici par Yonashi qui retourne instant overhead là-dessus. Mais il a raté le cancel malheureusement de descendre du pied. Ce qui fait qu'elle a retombé et ben il était complètement gratuit. Et se retrouve dans le coin. La sortie du coin reste importante. Voilà, le bas petit point qui est raté. Il n'y a pas que moi qui les rate dans les tutos. Cela, il rate aussi en situation de match Gachikun, très belle focus dash avant dans le Fuajin. Et c'est peut-être ce qu'il a de mieux à faire ici, c'est d'agresser son adversaire. Mais l'agression était peut-être un peu trop grossière de la part de Gachikun. Et ça fait 1-0 pour Yonashi qui pourrait réduire à 2-2 ce match. Encore hein, avant la kick, donc vous pouvez absolument pas vous dépatouiller même en garde. Faut quasiment tout le temps que vous mettiez la garde juste derrière. Très bon coup de pressing. Et encore, vous avez vu, Overhead a voulu faire Sam Pusha derrière, mais il a fait double touche avec un Tiger Shot. Alors là, vous voyez, c'est encore le jeu de la double touche entre le Fuajin et Tiger Shot qui est systématiquement à l'avantage de Sagat. Mais deuxième erreur avec une deuxième dive kick de repêchage. Et là, il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher. Voilà. Il y a que ce Sam Pusha. Il est cancellé. Et par contre, ça c'est une grosse erreur de se remettre dans le coin sans avoir tapé. Je pense qu'il a raté son setup. Il a complètement raté son setup. Et du coup, il est gratuit au Mitty. Oh, décalage Mitty. Tiger Destruction en crossdown, s'il vous plaît, pour sortir en intégralité dans le bon sens. Dans le tuto Sagat qui sortira très bientôt, je rate, mais je vous explique comment réaliser ce mouvement. Ce n'est pas si difficile que ça. Demande juste un tout petit peu de dextérité, un simple petit décalage de rien du tout. C'est pas spécialement compliqué, mais c'est pour tous les Sagat quelque chose à maîtriser. Puisque vous savez, avec les combos de Sagat qui emmènent très très rapidement. Oh la pression là qu'il est en train de mettre, et encore une fois dans un cancel. Mais Tiger, par contre, ça fait mal. Ouh, qu'est-ce que ça fait mal. J'ai pas medium kick and risk, bas petit point, Tiger uppercut. Et là, eh bien, il est en train de se faire rattraper en plus. Il y a le link réussi hein, derrière l'avant la kick de bas petit point avec ce shot. Et Yonashi qui est maintenant dos au mur, complètement dos au mur. Va falloir qu'il tente le tout pour le tout. Fajin cancel. Et c'est toujours dans la garde d'un Gachikun ultra solide et qui maintient parfaitement la distance pour faire suer. Pas de Tiger Shot bête. Et un vieux shot sur à relever qui va faire mourir ici son adversaire. Victoire 3-1. Dans ce match de Gachikun. Et on va dire une belle expression du match-up. Magnifique mouvement de Gachikun hein, comme je vous dis, il a réellement réellement pas usurpé son statut. Il est très très fort ce Sagat, mais c'est surtout qu'il sait abuser des bonnes choses. Et bien qu'il ait pris assez souvent les bonnes décisions. Il est très fatigant dans un match-up réellement très difficile pour Juri. Très fatigant de manœuvrer au travers le jeu de Sagat. Et tout se pose là. Il y a, lorsqu'un personnage a des projectiles comme ça aussi puissants que Sagat, le jeu de projectiles de Juri est complètement annihilé. En revanche, quand le personnage est un tank et que eh bien il n'a pas de projectiles, je prends par exemple les gros ou même des personnages comme Honda ou des personnages comme ça, eh bien ils vont avoir énormément de soucis à passer outre le mur de Ventos de Jury. Voilà, victoire donc de Gachikun qui se qualifie pour les demi-finales. Et je vais vous proposer donc dans un nouvel épisode de Ma Prince Entropie, fait un peu plus tard cette semaine, une de ces demi-finales, voilà justement, qui va opposer Reiketsu, la griffe tout de même, face à Nishikin Blanca, probablement meilleure griffe face au meilleur Blanca du Japon. C'est un match, à la fois un match-up pas spécialement très vu, et aussi un match eh bien joué à son meilleur niveau. Voilà pourquoi je tenais aussi à vous proposer cela. Et si je reste un peu de temps, je vous proposerai peut-être éventuellement la finale qui opposera forcément soit Nishikin, soit Reiketsu face à, eh bien, à face à Wai, il me semble, la Kami qui a battu justement Gachikun en demi-finale. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Rendez-vous eh bien en fin de semaine pour
un nouvel épisode de Je lâche mon casque, je me barre. Et justement, puisque la coutume le veut ainsi, je vais lâcher mon casque et je vais moi-même me barrer. À mercredi prochain pour m'en passer en temps pif. Et à la fin de semaine pour à la fois nouvel épisode de Je lâche mon casque et aussi le stream de Jojo, n'oubliez pas. A ciao, bonsoir.